Bonjour et bienvenue à tous. Dans le monde, nous trouvons d'innombrables piscines qui n'ont rien de particulier. Néanmoins, il existe certaines d'entre elles qui sont à couper le souffle. En effet, on trouve des piscines, créées par l'homme ou par la nature, et qui sont en tout point incroyables. Leur beauté somptueuse, leur architecture sublime et leurs détails soignés les rendent exceptionnels. Allez chercher votre passeport et préparez-vous à embarquer pour les 10 piscines les plus incroyables dans le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sur les hauteurs du mont Bürgenstock, en Suisse, est située l'une des plus incroyables piscines du monde. Sa vue panoramique et époustouflante sur les montagnes alentour et le lac des Quatre Cantons fait tout l'attrait de cette piscine à débordement. Ce bassin si fascinant est la propriété de l'hôtel 5 étoiles, la Villa Honeck. Cet hôtel est connu pour son luxe, mais surtout pour sa piscine extérieure chauffée à 34 degrés. S'y rendre est le meilleur moyen de se relier à la nature tout en profitant d'un environnement calme et apaisant. Cet hôtel a également une seconde piscine qui se trouve, elle, à l'intérieur. Bien qu'elle ne dispose pas d'une aussi belle vue que la première, elle a cependant d'autres atouts. Il est possible d'y nager à contre-courant tout en écoutant de la musique sous l'eau. Elle a été conçue de telle sorte que toute personne puisse se détendre au maximum. Alliant beauté naturelle et luxe, ces piscines sont une merveille incroyable. Envie de sensations fortes, la piscine du diable est l'endroit parfait pour vous. Rendez-vous donc entre la Zambie et le Zimbabwe, à l'endroit où se trouvent les chutes de Victoria. Vous les connaissez certainement, les chutes Victoria sont les plus spectaculaires du monde. Grâce à leurs 108 mètres de hauteur, elles sont encore plus hautes que celles du Niagara. Mais c'est la piscine naturelle abritée par ce magnifique lieu qui surprend le plus. Située au sommet des cascades, cette piscine n'est pas surnommée « piscine du diable » à tort. En effet, cet endroit est extrêmement dangereux et y faire une trempette peut coûter… la vie. Particulièrement aux plus téméraires qui tentent de s'avancer au bord du gouffre pour prendre une photo souvenir. Si cette piscine est autant fréquentée et autant recommandée, ce n'est sûrement pas pour son danger, mais plutôt pour le sublime paysage qu'elle offre à ceux qui s'y rendent. Néanmoins, cette baignoire à ciel ouvert n'est accessible que durant la période allant de septembre à décembre, car c'est le moment de l'année où le niveau d'eau ainsi que le courant sont les plus faibles et promettent le plus de sécurité. Malgré cela, il est recommandé de s'y rendre en compagnie d'un spécialiste du coin. Dans la ville de Kanazawa, au Japon, se trouve une piscine qui, à vrai dire, n'en est pas une. Située dans le musée de l'art du 21e siècle, cette sorte de bassin laisse les visiteurs perplexes. On a tendance à se demander comment il se fait que les personnes puissent rester aussi longtemps sous l'eau. La réalité est qu'il s'agit d'une piscine qui ne mouille pas. Cette ingénieuse invention a été réalisée par l'Argentin Leandro Ehrlich. Il a imaginé une piscine qui n'a de cesse de surprendre grâce à l'illusion optique qu'elle offre aux spectateurs. Pourtant, l'astuce est assez simple. Il a suffi de recouvrir la piscine d'une plaque transparente sur laquelle il a été déposé une fine couche d'eau. Ainsi, on croirait véritablement que les gens sont coincés à l'intérieur de la piscine. Voilà bien une idée des plus astucieuses, vous ne trouvez pas? L'Infinity Pool dont nous allons vous parler maintenant est extrêmement célèbre grâce aux innombrables photos prises par les touristes du monde entier. Cette incroyable piscine est nichée dans le très luxueux hôtel Marina Bay Sands de Singapour. Il s'agit de l'hôtel qui non seulement est le plus cher du pays, mais également celui qui affiche le taux de remplissage le plus élevé. Et c'est principalement grâce à sa piscine située au-dessus de trois gigantesques hôtels de 55 étages chacun. L'ensemble est à couper le souffle. Ces trois bâtiments sont en effet surmontés d'une terrasse sous forme de bateau, communément appelée la Sand Sky Park, qui a acquis une réputation internationale grâce à l'Infinity Pool. Il s'agit de la piscine en hauteur la plus longue du monde, 150 mètres, dont la particularité est également d'être située à 200 mètres de hauteur. Une fois que l'on s'est accoudé sur le bord du bassin, une vue imprenable sur la baie et la ville de Singapour s'offre aux vacanciers. Pour les personnes qui rêvent de se baigner dans une magnifique piscine et d'éprouver des sensations fortes tout en admirant un paysage fabuleux, l'Infinity Pool est fait pour eux. Certains lieux dans le monde sont une beauté très particulière. C'est le cas du Homestead Crater, une source d'eau chaude naturelle cachée au fond d'une grotte vieille de 10 000 ans. Située dans l'Utah, aux États-Unis, à une heure de Salt Lake City, cette sorte de piscine est gérée par l'hôtel Homestead Resort, dont le charme n'est pas des moindres. Mais il faut croire que c'est leur incroyable grotte qui attire le plus de touristes. En effet, c'est le lieu idéal pour se détendre et profiter des extraordinaires créations de la nature. En haut de la grotte se trouve une assez large ouverture qui laisse la lumière du soleil pénétrer dans le bassin. Vous vous demandez peut-être comment accéder à l'intérieur.
À vrai dire, autrefois, il fallait passer par l'ouverture, mais évidemment, depuis, cela a changé. Désormais, il est possible d'accéder à la grotte en passant par un tunnel construit par l'hôtel. Ce qui facilite la tâche aux touristes qui sont de plus en plus nombreux à vouloir visiter cette piscine naturelle. Grâce à sa température comprise entre 32 et 36 degrés et sa couleur bleue intense, elle est probablement l'une des plus belles piscines naturelles au monde. Il est possible d'y faire du yoga, de la plongée et bien d'autres activités. Et rassurez-vous, il n'y a pas de poissons sous l'eau. Au Portugal, à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne, se trouve un paysage féerique. Dunes, falaises et vastes prairies se mélangent dans cette atmosphère paradisiaque. Et c'est dans ce même environnement idyllique que l'on retrouve la fameuse maison, The Wall House. Cette sublime demeure a été construite par les très talentueux architectes du cabinet Guedes Cruz Architectos, connus pour leur design audacieux. C'est ainsi que cette maison de 3600 m² a été conçue de telle sorte qu'elle puisse s'harmoniser parfaitement avec la nature qui l'environne. The Wall House est une perfection artistique. Mais ce qui la rend aussi surprenante, ce sont ses piscines. En effet, cette maison possède un duo de piscines qui semble défier les lois de la pesanteur. L'une est suspendue au-dessus de l'autre. Celle du haut, transparente, possède un fond en verre extraordinaire et qui donne l'impression aux nageurs de flotter dans l'air. Celle au sol est elle donc couverte par celle qui se trouve au-dessus. Ces piscines sont de véritables prouesses architecturales. De plus, le soleil et les mouvements de l'eau créent des reflets sur la maison et donnent véritablement le réel sentiment de se trouver au milieu d'une nature paradisiaque. On se croirait presque dans un rêve. Nager dans une telle piscine suspendue doit certainement procurer des impressions intenses et surprenantes. À environ 70 km au nord-est de Krabi, près du parc national de Cao Phrabang Kram, se trouve l'une des attractions touristiques les plus fascinantes. La piscine d'émeraude, également appelée piscine aux cristaux. D'origine naturelle, elle est très connue pour ses eaux chaudes et pour ses bienfaits pour la santé. Mais ce n'est pas ce détail qui la distingue tant des autres. C'est plutôt sa magnifique couleur, l'environnement qui l'entoure et la végétation, et les petits ruisseaux qui font de cet endroit une exception et un réel havre de paix. Ainsi, ce bassin cristallin est l'idéal pour une baignade apaisante. Et la vue panoramique n'est semblable à nul autre. Direction maintenant la Thaïlande pour découvrir l'hôtel The Library. Celui-ci doit son nom à son impressionnante collection de livres, de musique et de films, mais ce n'est pas ce qui le rend si particulier, c'est plutôt sa piscine… rouge. Situé sur Koh Samui, une île du golfe de Thaïlande, cet hôtel se trouve à proximité d'une merveilleuse plage au sable blanc et sans grande surprise, la piscine dispose d'une vue imprenable sur cet environnement atypique. Le moins qu'on puisse dire est qu'il s'agit d'une piscine très insolite. Bien que rougeâtre, l'eau y est parfaitement pure et la piscine se compose de chlore habituel. Mais d'où vient cette couleur pourpre, direz-vous? Eh bien c'est très simple, ce sont les mosaïques du carrelage qui donnent cette couleur à l'eau de la piscine. Une idée des plus originales qui soit. En choisissant un carrelage très rouge, l'hôtel a réussi à se faire une réputation internationale. Évidemment, il s'agit là d'un hôtel de luxe. Par conséquent, les belles choses n'y sont pas rares et la merveilleuse piscine rouge de cet hôtel n'est qu'un bijou parmi bien d'autres. Vous avez envie de passer des vacances paradisiaques? De vous baigner dans une piscine comme nulle autre? Alors sachez que dans la magnifique station balnéaire du Var se trouve certainement la villa de vos rêves, la villa On The Rocks. Agréable et élégant, l'intérieur de la maison ne manque pas de charme et tout a été pensé pour que les locataires puissent passer un séjour inoubliable. Mais c'est la piscine qui vous laissera pantois. Avec ses 28 mètres de long et ses 2,5 mètres de large, cette piscine permet aux nageurs de profiter d'une vue imprenable sur un sublime jardin de 5000 m² grâce à ses parois quasi transparentes. On se croirait presque dans un aquarium. Les visiteurs ont la possibilité de contempler l'étage du dessus et d'admirer la verdure à perte de vue, tout en nageant dans une eau dont le bleu illumine l'intérieur de la villa par des scintillements argentés durant la nuit, comme durant le jour. L'hôtel Hanging Gardens Ubud n'est pas très connu. Néanmoins, tout le monde a déjà visualisé au moins une fois les magnifiques images de la piscine de l'hôtel. En effet, c'est l'une des piscines les plus photographiées du monde, tant elle est exceptionnelle. Hanging Gardens Ubud est situé dans la province de Payagan, au nord d'Ubud, en Indonésie, au sein de jardins suspendus de jungles et d'arbres ancestraux. Cet environnement atypique a permis à cet hôtel de suspendre régulièrement d'innombrables personnes. Mais ce qui capte véritablement l'attention, ce sont probablement ses piscines. En effet, les bassins ont été aménagés sur deux niveaux et ont été conçus de telle manière que les hôtes aient l'illusion que la piscine émerge de la forêt dense et exotique. Aussi, sa forme ondulée donne la sensation unique de nager au-dessus du sommet de la jungle. Ce n'est donc pas à tort que les sites de voyage et de luxe TripAdvisor et Condé Nast Traveler ont tous deux sélectionné cet hôtel luxueux pour lui attribuer le prix de World Best Swimming Pool 2014,
la meilleure piscine du monde de 2014. Alors, quelle piscine vous paraît la plus incroyable du monde? Dites-le nous en commentaire. C'était les 10 piscines les plus incroyables du monde. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.